Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Elkino. Il s'agit de la découverte de Mini Motor Racing Evo. Si mon pad veut bien fonctionner, je sais pas, on va faire Quick Race ou Carrière. Ouais, c'est Carrière, hein. C'est le but. Alors, mode carrière, ok, on a des ok. On peut choisir les voitures. Je ne sais pas. Ah oui, les stats sont là, d'accord. Tenue de route, nitro, accélération. On a accès à toutes. Mon dieu, on a accès à 3 au moins. Hop, 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 non. On va prendre ça. Ok. Ok. Continuer. On a pas de sous. Sélectionner la piste. Débutant. C'est parti. Alors ça me faisait penser comme ça, vu les screens, ça me faisait penser à un vieux jeu de bagnole en vue du dessus en fait, qui s'appelle Super Sprint, auquel je jouais sur Atari je crois. Ou Super Cars. Micro Machine aussi, mais Micro Machine c'est plus... Ah ouais, non, si, c'est plus... C'est bien délirant. C'est... Oh merde. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Hein? What the fuck? C'est... Ok. Non, c'est... Ça... Je sais pas si c'est mon pad qui déconne. Les contrôles sont vraiment étranges. Vous êtes que des voitures. Je pense que là c'est l'ordi. Ah d'accord, je comprends en fait. Ça va dans la direction de l'écran en fait. Oh, oh là là, c'est pas genre là je vais à gauche pour pouvoir aller à gauche. Enfin si. Enfin je me comprends. Ah, faut que je fasse un demi-tour avec le stick en fait, c'est super bizarre. Ok d'accord, on s'est mal barré. Je suis pas fan des contrôles là, c'est vraiment bizarre. On va recommencer. Et ouais, on est que deux là, mais c'est l'ordi je pense, enfin, c'est sûr même. Je suis en mode carrière. Je sais pas si c'est une très bonne idée. elles sont. J'ai l'impression qu'elles sont sur. Elles sont montées sur des. Sur des bouées, les voitures. Les suspensions sont ouf. Je serais triste qu'il n'y ait que deux voitures. Ouais, mais j'imagine que c'est parce que c'est la première course. Et là, je sens qu'on va y arriver. Là. Je garde ma nitro au cas où. Bah, ça sert à rien que je l'utilise là, pour l'instant. Juste faire en sorte de lui piquer pour pas qu'il me rattrape. Là. Yeah! C'est mieux déjà. Quand on comprend comment ça marche. Ok, continue. Ok, donc là j'ai débloqué. Le deuxième, ok. Est-ce que je peux changer de bagnole? Oui, c'est les upgrades, sélectionner la voiture. On va essayer, tiens, le... Non. Putain, c'est bizarre. Ça change tout seul de... On va essayer ça, voilà. Merci, Pomme. Tout va bien. On a 75$. On peut rien acheter avec. C'est bien.
Ah bah voilà, ils sont deux de plus là. Enfin, ils sont deux. Oh, c'est lent. Ouh, c'est un camion. Hein. Ça se sent. Ouh là là. Ouh, je préférais l'autre. Ah, je peux pas te couper. Hein. Les auto-tamponneuses, ouais. Ah mais non, mais le truc, il va tellement... Ah, non, non, non. Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Je préférais l'autre. Je reprends... C'est quoi ce veau, là? Ah, attendez, j'avais quoi? J'avais ça. Ah, il a moins de nitro, d'accord, ok. On s'en fout. Ok. Tac. Haha. C'est déjà mieux, hein. C'est déjà bien mieux. Avec la musique, petite musique reggae, là. Je sais même pas s'il y a un frein à main. Ah si, ouais. Ça peut être rigolo s'il y a plein de monde. Oups, fais gaffe quand même. Mouais. 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 Il fait bien ce qu'il fait. Enfin voilà. Ah mais on est 4 maintenant. Ouais, putain, à chaque fois je me plante. Parce que les contrôles fonctionnent vraiment pas comme on s'y attendrait en fait. Après c'est des voitures quoi. Ouais mais il y a des jeux de bagnole que... Moi j'ai... Quand j'étais plus jeune, il y a des jeux de voitures que j'appréciais quoi. Genre, comme je disais, Super Sprint, Super Cars. Même Micro Machine avec des potes. Juste avec des potes. Hein. C'était fun. Hein. Mais bon. En fait, il y a un truc que j'aime bien dans les jeux de bagnole, c'est les dérapages. J'aime bien les marques de dérapage. Et voilà. C'est pas un raccourci sur la droite au début, je me tiens là. Ouais, c'est possible, j'y pensais parce que j'arrive pas d'y aller, mais... Non, non, c'est un... C'est la rivière, en fait. Je pense pas que tu puisses couper par là. Voilà, c'est... En fait, là, le truc, c'est qu'une fois qu'on a semé les concurrents... En fait, je pense que le jeu triche pas. Il y a beaucoup de jeux de bagnole où l'ordinateur triche. C'est-à-dire que si t'as de l'avance sur l'ordinateur, il va se téléporter près de toi pour essayer de te griller, en fait. Parce que sinon, ça donne ça, là, par exemple. Ou... Bah, ils n'ont plus aucune chance de remonter, en fait. Ça manque de carapace bleue. C'est ça. Ça manque de... Ça manque de Super Mario Kart. Mais bon, probablement que par la suite, ça sera plus difficile. J'imagine. J'ai même pas vu qu'il y avait la map en haut. Je viens de me gratter le nez. Ouais, voilà, merci.
Bon, on en fait encore une et puis après on change parce que... Bon. C'est bien, mais voilà. Au final... C'est un jeu de bagnole. Ah, on a chopé le... Hein ? On peut aller... Ah, on... d'accord. On peut soit faire... Ok, on, peut... on va faire là-bas une nouvelle... Ok, nouvelle... Team Fortress 2, mon dieu. Ah, attends, là, ça va devenir plus compliqué, je pense. Tu roules sur le jeu. Bougez-vous! Dégage. Ah, c'est... Ils sont déjà plus hargneux, là. Ça se sent. Ça sent qu'ils en veulent un peu plus, là, déjà. Parce que c'est que ce truc. Mais vas. Oh lui est. Non, c'était pas de la nitro ce truc là. Il y en avait un là. Ça veut prendre. Non, c'est pas ça. Je sais ce que c'est. À mon avis, il y en a qui vont... qui doivent être un peu difficiles, un peu. Ah bon. Allez. Donc c'était la course Team Fortress. Pas mal. Ok. Ok. Il y a une portale de... Ah, donc c'est un jeu Valve. Bon. Eh ben ouais. Voilà, pourquoi pas. Apparemment, il y a un éditeur de piste aussi, un éditeur de course. Il y a peut-être un workshop, ouais, je pense. Il y a un éditeur de ouais. C'est possible. Bon, si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch et sur YouTube, c'était le Kino avec la découverte en mode YOLO de Mini Motor Racing Evo. Merci beaucoup et à la prochaine.